Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réagir au tout début des Elast ou Elast. Je sais pas exactement comment ça se dit. En coréen, c'est marqué Elast. Donc, bon, je vais dire Elast. Ça fait bizarre de dire Elast. Moi, j'aurais plutôt dit Elast. Donc, bon. Bref, en tout cas, voilà, c'est les tout débuts de ce nouveau groupe que j'ai pas trop entendu parler. J'ai vu passer sur les réseaux. Donc, du coup, j'ai suivi un peu le truc. J'ai regardé les images teaser, etc. Les photos teaser sont trop belles. Des effets un peu sous l'eau, fleuris, tout ça. J'adore tout ce que j'aime, franchement. Donc, du coup, j'ai adoré les photos teaser, les petits teasers vidéo, etc. Donc, j'ai hâte de voir leur début. Ça a l'air d'être un groupe assez prometteur, hein, franchement. Un groupe de garçons, vraiment sympa. Donc il débute avec un mini-album qui s'appelle Daydream, si je me trompe pas, là j'ai pas pu retrouver l'info, sinon je vous mettrai si c'est pas ça, mais il me semble que c'est Daydream et leur chanson, du coup titre et MV, Swear, donc j'ai hâte de voir le MV. Donc bah c'est parti, hein, je vais le voir tout de suite avec vous. Dites-moi vous en commentaire si vous attendiez ces débuts, vous en avez pensé et tout, dites-moi tout, donc c'est parti. Oh, waouh, ça commence bien. Waouh, une musique un peu traditionnelle. Enfin, avec les instruments traditionnels, j'ai l'impression. Asiatique. Ça me fait penser aux films chinois. En tout cas, les visuels pour le moment sont trop beaux. Oh. Des fleurs. J'adore. Ok. Petit costard. Les visuels en tout cas sont super beaux. L'image trop belle. La réalisation est trop belle. Les décors. J'adore. Pour un début. Leur voix pour moi, j'adore aussi. Même la chanson, le rythme. C'est assez original. Oh, j'adore! Oh, oh c'est beau! Alors là, le rappeur, c'est lui, ok. Il a l'air ultra jeune. Je pense qu'ils sont jeunes. J'adore, je trouve qu'elle est originale la chanson, le rythme et tout. Mais j'aime beaucoup. Eux ils chantent super bien, j'aime bien, franchement. Alors, je sais plus si c'est le même rappeur ou s'il y en a deux du coup. Il y en a un ou deux. J'arrive pas à les reconnaître. Bon, c'est le même. J'adore en tout cas. J'aime bien le rythme. Avec le... un peu les instruments traditionnels qu'on entend en fond. Ça me fait trop penser à une musique de film, quoi. Des musiques de films, d'OST. Ça me fait trop penser à ça. Je sais pas pourquoi. J'adore en tout cas. Les visuels sont vraiment beaux. Enfin, les fonds et tout, les décors. L'horloge est spéciale. Une histoire de temps avec le... Wow. Le sablier. Ça me fait trop penser à Itiz, moi, direct le sablier. Donc... Et j'adore la version dark. Danse sur de l'eau, j'adore ça. Ça fait un trop bel effet de danser sur l'eau, je trouve. Ok, à mon avis, il va y avoir une histoire. Ça va être encore des théories de fous. Ok. Parce qu'ils sont, il y en avait un au-dessus, un en dessous. Je sais pas si c'était le même, d'une autre dimension, ou juste deux membres
dans deux dimensions différentes, je sais pas, mais en tout cas c'est trop intriguant. Et la chanson est vraiment bien, c'est pas du tout à quoi, ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais un peu à un style, enfin faut pas se mentir, hein, où dans les débuts, tous les groupes ils font à peu près le même genre hein, de mélodie en tout cas, de chansons et tout. Je m'attendais un peu donc à ça quoi. Et au final je trouve qu'elle est vachement originale la chanson. Déjà d'inclure les instruments comme ça traditionnels, bon je sais pas si c'est traditionnel coréen ou quoi. En tout cas ça fait beaucoup bah, penser aux instruments traditionnels asiatiques, en tout cas je veux pas dire de bêtises donc je sais pas de quel pays exactement. Mais ça rend super bien et du coup ça rend le truc, la chanson originale. Et ouais, le rythme, la mélodie, tout ça, je trouve qu'elle est vachement originale et ça change et j'aime beaucoup. Là, je suis surprise franchement. En plus, j'adore leur tout leur visuel quoi. Enfin, les tenues, couleurs de cheveux et tout, j'ai bien aimé. Leurs voix, elles ont l'air vraiment bien. Après moi, c'est vrai que j'ai pas suivi s'ils avaient chanté auparavant, des covers ou quoi que ce soit. Pense, mais j'ai pas du tout vu, je les ai pas du tout écoutés auparavant. En tout cas, ils ont l'air d'avoir pas mal de talent, ils chantent vachement bien et ils dansent aussi bien. Parce que leur choré était vachement sympa, celui qu'on voyait danser tout seul, il danse super bien. Enfin, c'était vachement beau en tout cas. Et en tout cas, ouais, l'image du MV, trop belle. La réalisation, tout ça, trop belle. Les décors et tout, j'ai trop aimé. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis. Donc j'ai hâte d'en voir plus, hein, franchement. Voir la continuité de cette histoire, hein, si on a une. Et bah, de voir plus en plus leur talent et tout. En tout cas, je vais voir leur... Enfin, je vais écouter leur mini-album. Et je verrai du coup ce que j'en pense. Mais à mon avis, ça doit être du lourd. Parce que ce MV, cette chanson, Swear, eh ben elle est vraiment trop bien. Donc voilà, si ça vous a plu, c'est moi un petit like et abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo.